l'Église pour prier et louer le Seigneur pour ses multiples bienfaits dans notre vie. Dans l'Évangile du jour, Jésus le Christ ressuscité se révèle à ses disciples par la fraction du pain. Par ce geste, les disciples qui étaient dans la tourmente après la mort de Jésus furent remplis de joie. Tout au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous aider à le reconnaître à travers ses nombreuses manifestations. À présent, prière de mettre debout pour commencer notre messe en chantant avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes au troisième dimanche de Pâques, un dimanche au cours duquel nous aurons à méditer sur la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Jésus se fait reconnaître à la fraction du pain pour dire qu'il est toujours là, qu'il est encore là et qu'il sera toujours là avec nous en train de marcher, en train de cheminer. Préparons-nous, mes frères, mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Prions ensemble le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 13 à 15, puis chapitre 17, verset 19. Devant tout le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'avez livré devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'avez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de maîtriser. Lui, le premier des vivants, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères,
je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous, donc, revenons à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Écoutons le psaume. Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Quand j'appellerai pour moi, Dieu, ma justice, tu as su désirer mon avoise. Écoute ma prière, mon Seigneur, ton visage de lumière. Le Seigneur s'est choisi un fidèle. Quand je fais appel au Seigneur, il entend pour nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, les versets 1 à 5. Mes petits enfants, j'écris cela pour que je vous aie le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Et voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en celui, mais en celui qui garde fidèlement sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Loué Dieu, tous les peuples.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 24, du verset 35 au verset 48. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme il en parlait encore, lui-même se trouva au milieu d'eux. Frappé de stupeur et de crainte, il croyait voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection des morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Révérend Père, chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Altagrâce et des autres médias en ligne, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Frère Maxime, bonjour. Bonjour. Qui j'en noyé? Avec Jésus Napkembe. Bon dimanche à chacun et chacune de vous. Merci. Dans la première lecture, Saint-Pierre rappelle aux Juifs leur forfait, leur impair, leur faute. Quelle a été cette faute? Quel a été cet impair, ce forfait? Ils avaient crucifié, ils avaient tué le juste, Jésus. C'est là qui s'empêchait, eh bien, ils ont tout lui. C'était une déception. C'était un bagage qui était vraiment choquant. Ils ont innocent, ils ont tué un innocent. Mais ça qui fait là, il était bon. Pour qui ça était bon? Saint Augustin, par les noms, les noms sont heureuses fautes. Heureuses fautes qui nous a valu le salut. Son faute, c'est vrai, mais les bons ou non.
Et faut ça qui fait de moi-même ça mié, you know yodia. Et faut ça qui fait de père Franky, ça lié yodia, père Anaël, ça lié yodia. C'est faut ça qui fait de nous chaque ça nous you know yodia. Et faut ça qui fait nous capable gagner confiance dans Jésus-Christ. Nous croyons dans Jésus-Christ. Et parce que il était tout Jésus. Plus encore parce que Jésus était mort, il est levé. C'est bien où tu es tout yel, mais s'il te rete dans ton boa, ça ne veut dire rien. Comme Jésus, il n'est pas rete dans ton boa, il est mort, il est levé bien vivant, eh bien, ça fait nous-mêmes qui croyons en lui et nous espérons, eh bien, si nous souffrons avec lui, eh bien, nous avons gagné la victoire. Et si nous mourons avec lui, nous avons levé bien vivant. C'est ça, Saint Paul dit nous, dans la lettre écrite. Frère Mio, Sœur Mio, dans la fin, premier mot sur la Bible, là, eh bien, Pierre invite les Juifs pour les convertir. Il invite les gens, tout le monde qui t'a écouté, il invite les gens pour les convertir. Eh bien, c'est même invitation ça qui fait avec nous comme Père, qui fait avec nous chaque qui là comme fidèle, comme chrétien, comme monde qui croit dans Jésus-Christ, comme monde qui suit Jésus-Christ. Nous n'avons pas l'autre bagaille pour nous faire. Nous gagnons pour nous convertir. Convertir, ça veut dire qui ça? Nous gagnons pour nous changer que nous. Convertir, ce n'est pas marcher de religion en religion, comme un peu de monde est capable de comprendre. Ce n'est pas ça. Parce que vous pouvez passer de religion en religion et pourtant vous pas converti. Vous faites ce qu'on appelle le tourisme religieux. Vous êtes tous religieux. Vous allez en religion ça, ou ça gagne, vous dites, bon, ça va tellement intéresser, de façon vous adorer, façon doctrine dans l'IA, ça va intéresser moins. Ok, mal dans l'autre religion ça. Vous passez dans toute religion qui est sous terre, et pourtant, vous ne pouvez pas vous convertir. Pour qui ça? Parce que vous ne pouvez pas changer de cœur. Conversion, ce n'est pas un changement de religion, mais un changement de cœur, un changement en profondeur. C'est garder pour ce que vous faites qui passe ça, ce que vous faites qui passe dans la volonté de bon Dieu. Jean Saint-Jean dit dans le deuxième mot de la Bible, ce que vous faites qui passe dans la volonté de bon Dieu, ou quitter, ou prendre conscience, ou dire, ah, mon cher, moi-même, je vais vous dire, si vous veillez, les pères Franky, mettez un petit bail, les ramasser, un petit quichot, les ramasser dans l'enquête là, je veillez, quand elle mettez, je vais prendre un plein poche moins. Là, je dis, même pas fait ça encore. Je veillez les pères Anaël, qui sont économes, je vais veillez les pères Anaël, qui sont chambres, on va prendre un petit bail, je vais fouiller dans la poche. Je dis, ah, mon cher, je vais faire ça encore parce que bon Dieu, pas voulu ça. Bon Dieu dit, puis go voler. Puis go prendre, ça qui pas pour vous. Eh bien, si vous prenez, vous devez remettre les. Ou de faire restitution, ou de faire réparation. Alors, moi, ça a fait problème. Moi, en plus, le monde va vous étendre par ça. Restitution, réparation, 21 milliards, 695 millions, restitution, réparation. En plus, le monde va vous étendre par ça. Il va vous réparer. Il faut réparer, réparer. Il faut prendre conscience que vous mettez dans l'esclavage. Ouais, esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Il faut réparer. Il va aller réparer. Il va aller restituer. Non. Mais il a préparé quand même parce que c'est, ça a été fait aller pas de bon. C'est un crime nié. Il faut que vous ne pas voler ça pas pour vous. Ça pas pour vous. Il faut que vous remettez. Sinon, vous voulez rester vraiment dans la volonté de bon Dieu. Dans le deuxième mot sur la Bible, Saint Jean dit non pour nous éviter le péché. Il nous invite, il nous exhorte à éviter le péché. Et si toutefois tout nous a péché, Saint-Jean dit non, nous avons un défenseur au côté de bon Dieu Papa, qui est lié, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre défenseur auprès de Dieu, il est notre avocat, il intercède à notre faveur, hein? Il intercède pour nous. Je dis à Jésus-Christ, c'est avocat lié. Mais attention, il est le papa avocat encore, non? Qui laisse là, il laisse là? Certainement, la juge. Je dis à lui, c'est avocat. Nous mettons profiter, bambiler, craser, briser. Nous mettons agir, t'as qu'un cheval qu'on brûle, des vases qui pas payés. Bon, parce qu'en dehors, je dis moi, depuis qu'on bête là, c'est brûlé, il brûlé. Il met manger tout déjà de gré dans zone non, mais il pas payé en goud. Bon, par contre, si ça change qu'on y a, par contre, comment ça y est qu'on y a? Parce que j'étais en province longtemps, longtemps, j'ai travaillé en province, même des qu'on travaille, même des qu'on fait bon jardin. Les cotes bêtes là, les brûlées.
Allez, c'est pas négligent, mais c'est négligent. Et pas négligent ce qui fait mettre la dans le jardin. C'est quoi de la boule, c'est un incident passé, on dit que passé, il y a mettre la claque du feu. Mais laisse ça, mettre ça, mettre les papes payer. Et mais nous mettons comment? Nous mettons agir, t'as couché vers le code boule, nous mettons pomper. Nous avons un défenseur cap intercéder pour nous. Nous avons un si là cap défendre nous, beaucoup de bon Dieu papa. C'est quoi l'avocat ça? Même si vous volez, ou bien avocat vérité. Ouais, ou pas vivre dans menti avocat ou dit avocat mon cher m'te vole belle chaise du père Séraphin oui m'te vole belle chaise du père Naël là pas de problème avocat dit OK pas de problème qui ça va avocat faire là les côté chaise du père confectionné là les va confectionner même chaise là pour lui on a là le cosoa et ben on a ouais avocat dit mais pas même chaise là et ben c'est volé tout ils m'ont dit me volé tout il y a les commencer me monter on commencer parler en pile mais ou bail vague avocat les gagne cause là. Et Jésus-Christ, c'est ici là qu'a plaidé pour nous. Même si nous faisons ça qui passe ça, nous prenons conscience. Alors, il faut être conscient, oui. La plaidé pour nous, c'est vrai, mais il faut être conscient, oui, que ça ne fait pas ça. Il faut être conscient que vous faites péché. Si vous êtes conscient que vous faites péché, eh bien, vous demandez Jésus-Christ pour intercéder pour vous. Il faut intercéder pour vous. Mais il faut être conscient que vous faites péché. Il faut que vous repentiez. Il faut prendre conscience de ça. Et Jésus-Christ, je vous dis, c'est avocat, il vient pour le tourner comme juge. Là, il tourne comme juge là. Le ça, la vine baille sentence. Ouais, la vine baille sentence. Et même si Père Séraphin te fait ça qui bien, c'est qu'on ouvre le cœur là. Ouais, pour vivre avec le monde, c'est qu'on ouvre le cœur là. Pour le remettre monde, on ouvre le cœur pour le remettre frère, pour le remettre seul. Et parce qu'on fait injustice avec méchanceté, et bien le ça, et bien Jésus-Christ a baillé Père Séraphin ça qu'il méritait. Parce que Jésus-Christ, hein, il est le juste par excellence, le juste. Il ne peut pas manger courage, non. Et bien, si Père Séraphin, tu fait ça qui passe, et bien, Père Séraphin, et bien, après recevoir ça lui-même, les mérité. Sans planter, c'est l'eau récolté. Ouais, sans planter, c'est l'eau récolté. Sous planter à Ruko, pas penser à récolter maïs, ça va exister. Ouais, sans planter, c'est l'eau récolté. Et nous-mêmes, frères, nous sommes, c'est qui ça nous planter? Nous-mêmes, captant de ma travers les réseaux sociaux, yo. C'est qui ça nous planter? Est-ce que nous planter bien? Est-ce que nous planter bien? Est-ce que nous planter remain? Est-ce que nous ouvrir cœur nous pour nous remain monde? Eh bien, leur planter remain ou gain remain dans cœur, et ben leur fait ça qui bien, c'est tant qu'on pied à fruitier ou planter dans jardin ou planter devant porte la caillou ou planter dans la cour, ou planter un bel pied mango francis. Ouais, eh bien, on va manger bon mango dans bon saison. On va inviter voisins, voisinons, petit tout, tout, il y a cueilli bon mango, il y a mangé bon mango, c'est bon bagaille. Ou des gens qui veulent mango, on va manger mango, c'est bon bagaille. Mais l'on fait ça qui mal, ou planter haine dans le cœur, ou planter orgueil, ou planter jalousie, ou méchanceté dans le cœur, c'est donc un pied piquant, ou planter dans le jardin. Non seulement la piquer madame, piquer mari, piquer petit tout, piquer petit tout. Puis que moun ka vi aux alentours de vous-même et ceci de génération en génération. Alors si c'est comme ça, nous gagnons un choix pour nous faire. Nous gagnons pour nous planter l'amour dans cœur, nous gagnons pour nous faire ça qui bien, ça qui bon, ça qui dans volonté bon Dieu. Dans l'évangile jodi a, Jésus paraît encore devant 11 yo. Li rappelé yo un paquet de bagaille, li ouvri yeux yo. Voyez? Mais yo t'es inquiet, yo t'es dans la pérèse, yo t'es gain craintif, yo t'es craint juif yo t'es peur. Jésus paraît dans mitan yo, il vient dissiper la peur la caillou yo. Pour qui ça? Parce que la peur avec la foi pas marcher ensemble. Sou quoi? Ou pas gain pour peur. Ça pas veut dire ou pas prudent, faut qu'on prudent parce que faut qu'on prudent. Parce que ces derniers temps, monde l'en piégé. Pays a piégé, la rue a piégé, faut qu'on prudent. Mais on pas tout le temps avoir une psychose de peur. Non! On s'achète l'eau pété ou vous voulez courir? On t'y bruit fait ou vous voulez courir? Non! Faut qu'on prudent. Mais on pas quitter c'est la pire resto, cap mené. La foi, pas marcher avec la peur. Jésus-Christ paraît devant partisan Léo, lui dit yo, c'est moi-même, nous pas besoin de peur, c'est moi-même. C'est pas un esprit, c'est pas un événement, c'est pas un fantôme, c'est moi. Voyez, regardez-moi, touchez-moi. Un esprit pas gagné, il pas gagné chair, un esprit pas gagné zo. Un esprit c'est tant qu'on est oublié, c'est tant qu'on est l'air lié. On met rien, on pas sentir rien. Son oublié. C'est moi-même, touchez-moi.
Avec tout ça, les partisans ont commencé, ils ont continué à faire incrédule toujours, toujours, non, craintif toujours. Ils n'ont toujours pas quoi, c'est Jésus. Et je dis, nous n'avons pas de bagaille là pour nous manger. Bon, manger non, c'est moi, oui. Et puis, ils ont offert Jésus, ils ont morceau de poisson grillé. Jésus manger. C'est le ça. Ils ont vu quoi, tout bon vrai, c'est Jésus. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit. Pour ça, partisans, ils ont gagné une attitude ça. Et parce que, les hommes parlent. Et pas je dis, ah non, moun parle ça yo pa konnen. Les hommes parlent. C'est vrai que yo di, yo te vin di yo que Jésus li levé bien vivant. Genyen qui te constaté ça, mais genyen tout qui pat là les Jésus t'apparaît. Genyen qui pat là les Jésus t'apparaît devant premier partisan yo. Qui normal pour yo te genyen craintif parce que les hommes parlent. Les hommes parlent. Yo parlent. Yo parlent ça yo konnen. Yo parle ça yo pa konnen. C'est pas qu'on y a le comme ça. Les hommes parlent. Et ceci gen moun la di bagay la. C'est te couter là oui. Et dit oui. Oh, ça me doula c'est ça. Oh, non, pas gimenti non ça. Non, pas gimenti non ça, c'est ça. C'est ça. Et comme ça lié vrai oui, c'est comme ça lié. Faut que nous prudent avec ça nous attendre. Faut que nous prudent avec ça moun a dit. Et pas tout ça moun a dit ou gobel. Pas tout ça moun a dit ou boel ta mon pilule. Tant que le va valer comprimé. Non. Les gens ont parlé, il faut chercher la vérité dans ce qu'on dit. Il faut chercher la vérité. Ce qu'on dit, il faut qu'on passe dans le passoir. Il faut passer dans le crime. Donc, quand on a passé le sable dans le crime, il y a passé le sable dans le crime, il y a jeté remblé, il y a jeté tête là qui n'est pas bon. Mais ce qu'on dit, il va courir prendre pour le parole de l'évangile. Et l'évangile là qui est la vérité, par excellence. Il n'y a pas de contestation. Mais pas gagner un son, on dit, pour pas contester. Et parce que M. Pem dit un bagage pour courir prendre. Non, un. Faut passer au crible. Au crible de la raison. Faut passer. Passer. Parce que m'a Jésus-Christ. Ouais. M'a gagné la science infuse. T'as quand même dit un bagage et que ça me dit, il pas fini ça. Il pas fini ça. Puis quand nous courons, aller, tout ça monde dit non. Ça nous voit sur les réseaux sociaux. Pas courir. Pas courir à le prendre pour parole de l'évangile. Pas courir à le prendre pour vrai. Parce que moun yo parle. Moun yo parle. Yo parle. Faut que nous prudents avec yo. Prudents avec yo. Et pas tout ça nous tendez qui vrai. Et pas tout ça nous ouais, tout ça nous observer qui vrai. Pas forcément tendez ya, moun nan qui dit là, c'est intérêt l'a chercher. On va moun nan dit c'est pour le cas détruit, pour le cas détruit l'autre là. Pas courir prendre. Frèm yo, sèm yo. Dans l'évangile, dans célébration la messe jodi ya, n'a la prière. N'a pas de bon Dieu remettre là pour les dissiper la péresse là caille non dissiper la peur là caille non n'a pas de bon Dieu remettre là pour le bon non la tranquillité yo dit nous besoin la paix pour nous vivre dans pays non nous pas gagner la paix nous besoin la paix nous besoin faire la paix avec bon Dieu nous besoin faire la paix avec frère acteur non nous besoin faire la paix avec propre tête pas non si nous dit n'a fait la paix avec bon Dieu on va faire la paix avec prochain non c'est menteur non voyez la vérité pas non. C'est pour nous faire la paix avec bon Dieu, faut que nous faire la paix avec l'autre. Côté bon Dieu, nous pas ouais bon Dieu, mais nous est passé la fin. Nous pas capable vivre tout le temps pour nous déchirer une l'autre. Nous pas capable vivre tout le temps pour nous manger une l'autre. Nous pas capable vivre tout le temps pour nous craser une l'autre. Lis-le, le temps pour nous faire la paix. La paix c'est réalité ça pour nous vivre parce que nous c'est chrétiens. Frère mio, sœur mio. C'est pour l'esprit bon Dieu habiter non. C'est pour l'esprit bon Dieu, l'esprit la paix. C'est pour le souffler sur le pays d'Haïti. C'est pour le souffler sur la famille qui divise yo. C'est pour le souffler sur le cœur si la yo qui érige tête yo en bourreau pour faire nous souffrir. C'est pour le souffler sur yo pour qu'on prenne conscience que yo dans mauvais chemin. Comme ça, il va casser tête tourner venir un bon Dieu. Il va convertir, il va gagner la vie. La vie qui sortit dans bon Dieu papa, petite là avec l'Esprit Saint. Amen. Chers frères bien-aimés, prions de vous mettre debout pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous invite à aimer.
Je crois en Dieu. Aux enfants, le troisième jour, ressuscité des morts, monté aux cieux, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Donne-leur, Seigneur, de s'inspirer de ta résurrection afin d'être toujours des témoins authentiques de ton évangile. Seigneur, écoute-nous. Pour les dirigeants du monde entier et d'une façon particulière pour ceux qui dirigent notre pays. Que le Seigneur leur donne de travailler pour faire régner la justice et la paix. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les démunis de notre société, les malades et les morts marginalisés. Que le Seigneur mette sur leur route des personnes dévouées et animées par le Saint-Esprit pour les aider dans leurs difficultés. Seigneur, écoute-nous. Communauté paroisse nous, pour Silayo qui suivent nous à travers RTA et pour nous toutes qui rassemblent dans la messe là. Nous demandons bon Dieu pour aider nous toujours être fidèles à commandement lio, comme ça, nous éviter de vivre dans le péché. Grand maître, écoutez-vous nous. Prions pour ceux qui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Monsieur et Madame Jean-Robin Hippolyte, 17 ans de mariage. Yoline et Ernaud Aristide, anniversaire de mariage. Anne-Christine et Sherkin, anniversaire de naissance. Anne-Marie Jacques, Asper Jean-Baptiste, Camille Jean-Muret, Christina Edika Antoine, Georges-Marie Yuna, Girard Bernard François, membre du groupe Union Familiale, James Mert, Jean-Vilus Guerrier, Liline Jules, membre du groupe Union Familiale, Marianne Lozeille Apollon,
Marie-Claudette Emmanuela, Marie-Claude Jean, Madame Charita Fabien, Monine Douarin, Nili Rose Toussaint, Sandra Morissette, Priva Alexandra, Sayana Joseph, Sœur Yolande Aurelius, Stanley Clairville, Sylvie François, Rostila Marvin Jean-Baptiste. Seigneur, écoute-nous. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle l'origine de ces grands bonheurs qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Oh Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous offrons cette Eucharistie, des défunts de notre communauté, des défunts de nos familles. Souviens-toi des personnes tuées dans l'insécurité en Haïti. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, ta bénédiction sur les personnes qui ont recommandé cette messe, les personnes qui célèbrent leur anniversaire. Nous implorons ta bonté sur nos parents, nos amis, sur les bienfaiteurs, les bienfaitrices, sur nos collaborateurs et collaboratrices, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire, sur les personnes en difficulté, les chrétiens persécutés, sur les malades, sur les groupes, les chorales, les comités, les paroissiens, les pèlerins, sur les personnes qui prient avec nous, à travers la radio, la télévision, les réseaux sociaux, sur notre pays, sur le peuple haïtien. Nous implorons ta bonté, ta bénédiction sur chacun de nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus,
le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit: je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme.
Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparée de toi. Amen. Thank you.
Toute création.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Oh Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Il a vaincu la mort. Il a fait jaillir la vie. Notre Dieu est grand. Il nous a sauvés en son Fils, Jésus-Christ. Notre Dieu est grand. Il nous a bénis. Il nous a comblés de ses grâces. Il nous a comblés de ses bienfaits. Notre Dieu est grand. Il est avec nous. Notre Dieu est grand. Il nous a donné les prêtres. Il nous a donné Père Anaël. Et nous disons merci au Seigneur pour Père Anaël qui a, pour ce qu'il est pour nous et qui a présidé cette messe, cette célébration. On nous dit, bon Dieu, merci qui manifeste bonté et grandeur dans la vie Père Anaël. Notre Dieu est grand, il est beau. Le nom gardé, Père Séraphin, tendez Père Séraphin qui a parlé, qui a prêché, qui a célébré, qui a la prière. Nous avons beauté, bon Dieu, dans lui. Nous avons grandeur, bon Dieu, dans lui. Nous avons aimé, bon Dieu, dans lui. On nous dit, bon Dieu, merci pour Père Séraphin. Oh, nous admirer beauté, bon Dieu. Nous admirer grandeur, bon Dieu. Dans nous chaque, dans servant d'hôtel, dans jeune équipe liturgique, dans ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Oh, nous dit, bon Dieu, merci. N'a pas acclamé, bon Dieu, dans mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Nous disons, bon Dieu, merci parce que les petits chanteurs aidez-nous. Chantez la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu, la bonté de Dieu. Les nous gardons, Timon Sayo. Nous n'avons pas l'autre bagaille pour nous dire, non, frère Maxime, nous gardons Timon Koral Sayo. Cap chanté. Waouh! Bon Dieu, grand. Waouh! Bon Dieu, beau. Waouh! Bon Dieu, extraordinaire. C'est bon Dieu qui bat yo voix pour yo chanter. C'est bon Dieu qui fait yo beau, qui fait yo belle comme ça. C'est bon Dieu qui fait de yo ça yo yé. Oui, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Et nous voulons acclamer grandeur, bon Dieu. Admirer beauté, bon Dieu. Admirer puissance, bon Dieu. Admirer majesté, bon Dieu. Non, nous chaque qui là, dans la présence, non. Non, la vie, non. Nous disons, bon Dieu, merci pour nous. Et nous demandons, bon Dieu, pour continuer, bénis-nous. Pour continuer à veiller sur nous, pour continuer à combler nous à grâce. Notre Dieu est grand. C'est parce que mon Dieu grand qui fait que m'a parlé et monde qui est capable, quel que soit côté yoye, sur toute face de yon, yon capable d'entendre, yon capable de rêver. C'est parce que mon Dieu grand. Et c'est parce que bon Dieu baille l'homme, il manifeste grandeur dans l'homme, il baille l'homme l'intelligence, il baille l'homme capacité pour être capable de créer les moyens de communication, pour être capable de réaliser de grandes œuvres, de grandes choses, de grandes merveilles.
des œuvres extraordinaires. Nous disons, bon Dieu, merci pour technicien yo, pour caméraman yo, pour ingénieur son yo, et pour tout le monde qui a travaillé pour gloire, bon Dieu, continuer éclater sous toute face terre. Nous disons, bon Dieu, merci pour nous chaque. Nous disons, bon Dieu, merci pour tout téléspectateur qui en pile cap vive célébration ça. La caillou dans la rue, l'hôpital côté que yo yé. Nous disons, bon Dieu, merci dans la vie yo, pour yo. Et nous demandons pour bon Dieu continuer manifester bonté li, grandeur li, belleté li dans la vie yo chaque, dans la vie nous toutes. Bon Dieu grand, bon Dieu puissant, faut que nous disions ça, chrétiens. Il faut le témoigner. Faut témoigner de bon Dieu. Jésus dans l'évangile, il dit non ça, oui. Vous serez mes témoins. Vous êtes les témoins. Nous sommes témoins, bon Dieu. Témoins grandeur, bon Dieu. Témoins. Jésus. Qui pas dans tombeau encore, mais qui mourit, qui ressuscité, qui levé bien, bien vivant. Et nous avons pour devoir, pour responsabilité, comme chrétiens, comme baptisés, pour nous témoigner de bon Dieu. Non seulement pour nous servir bon Dieu, parce que le meilleur témoignage nous capable de bailler, c'est d'en servir bon Dieu bien. C'est d'en rester fidèle à mon Dieu. C'est d'en faire volonté mon Dieu. C'est plus belle. Témoignage, témoignage. La vie, nous. Mais il faut témoigner de Dieu par les œuvres, par notre mode de vie, par nos paroles. Il faut nous parler, il faut nous prêcher l'évangile. Donc, mon Dieu, voyez-nous en mission. Nous, même qu'à vivre la messe, là, nous avons pour devoir aller nous vivre la caille, nous, pour nous partager l'évangile. Là. Partager parole là, pour nous prêcher l'évangile là, quel que soit côté nous y est, côté nous passé. Encourager l'autre monde, venir l'église. Encourager l'autre monde, servir bon Dieu. Encourager l'autre monde, croire dans bon Dieu. La caille là, si y a monde la caille là, qui pas qu'on a l'église, encourager yo. Sous gen zami, sous gen camarade de classe, sous gen famille, qui pas qu'on a l'église, encourager yo. Et mesdames yo, mademoiselles yo, mesdames yo, madame yo, si nous si mari nous parle l'église encourager yo, monsieur yo, si madame nous parle l'église encourager yo, jeune yo qui n'en mène qui n'en remet, si nous gon jeune qui a causé avec nous ou bien qui remet avec nous, encourager à l'église. Ou pas capable gon jeune garçon qui a causé avec vous, ou bien jeune fille qui remet ou même moi l'église, li parler. Ou bien pour devoir ou même jeune garçon qui l'église pour encourager ménage ou pour venir l'église, ou même jeune fille qui l'église pour encourager ménage ou venir l'église, nous youn doit encourager l'autre pour nous marcher dans chemin bon Dieu. Nous avons pile moyen, frère Maxime, pour nous faire évangélisation. Parmi les moyens que nous avons pour nous faire évangélisation, nous avons moyens de communication sociale. Nous avons radio, nous avons télévision. Et jeunes qui, en plus fois, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, parfois, ils partagent l'autre bagaille. Mais ils ne partagent pas la parole, bon Dieu. Première parole pour nous partager, première nouvelle pour nous partager, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Partager parole bon Dieu. Ou pas j'aime connait non, le partager parole bon Dieu qui merveille ça capable fait, qui réconfort ça capable porter, qui consolation ça capable porter, qui la grâce ça capable porter, non seulement pour monde ou partager là avec lien, mais pour vous même tout oui, parce que ou pas j'aime travail pour bon Dieu, pour grand Messie. Fait travail grand maître là, fait apostolat, fait mission, utiliser radio yo, télévision yo. Nous-mêmes qui branchons radio, télévision, non seulement pour nous vivre la foi, nous, mais nous devons faire apostolat, nous partager les liens, nous encourager les gens, garder. Dans la paroisse, là, nous avons radio, télé, Altagrace, qui sur YouTube, sur Facebook,
YouTube 24 sur 24. Pendant qu'on va vivre la foi ou aider l'autre monde tout vivre la foi. En tout cas, moi pas voulu trop long, je voulu dire nous grandeur bon Dieu. En fait, Jean l'a inspiré moi pour nous parler de grandeur bon Dieu et pour nous encourager nous toutes pour nous témoigner par toute la vie nous de grandeur bon Dieu. Que Maxime, nous pral gagner troisième messe qui pral célébrer dans quelques instants. Et c'est Père Patrick Edumé qui pral célébrer troisième messe là. Déjà, Père Patrick, nous connaissons que là, nous disons merci. Merci pour faire disponible pour aller célébrer troisième messe là et qui pral animé par la chorale CNDA. Déjà, nous dit chorale CNDA qui pral animé troisième messe là. Merci. Et Frère Maxime, et dernière messe là, l'a célébré après-midi à 4 heures. N'a pas rappelé nous, en semaine, chaque jour, nous gagnons trois messes dans l'église là. Et sur Radio Télé Altagrasse. Messe à 6 heures, à 7 heures et à midi. 6 heures, 7 heures, midi. Nous gagnons possibilité pour nous participer chaque jour dans la messe. Même si vous n'êtes pas capable de venir à l'église là, mais à travers radio, à travers télévision, capoter la messe là pour vous, la caillou, ou bien un travail ou côté que vous avez, vous avez possibilité pour participer dans la messe, pour nourrir la foi, pour nourrir l'amour. C'est chaque jour que nous devons nourrir l'amour. C'est chaque jour que nous devons soigner, relationnons avec mon Dieu, relationnons avec frère. Non seulement nous gagnons la messe sur radio Télé Altagrasse, trois messes chaque jour, mais nous gagnons prière. Nous gagnons prière et adoration Saint-Sacrement dans le matin après deuxième messe. Là, adoration qui commence après deuxième messe là, à 8 heures. Nous gagnons méditation du chapelet. Nous gagnons divine miséricorde à 3 heures. Et puis dans la soirée, pour nous aller dormir, nous pas capable dormir sans nous parler prière. Radio Télé Altagrasse a aidé nous pour nous la prier avec prière du soir. Branchez pour nous nourrir nous, encourager les amis nous, famille nous, proches nous, connaissances nous, contacts nous, vous même tout encourager vous brancher, encourager vous pour vous capable de la prier, frère Axem. Moi, je voulais finir pendant que je rappelle nous, dimanche prochain, c'est 21 avril, 4e dimanche de Pâques, c'est journée mondiale des vocations. Les messes seront célébrées aux heures habituelles, à 6h30, 8h, 10h et 4h. Moi, je voulais finir pendant que je rappelle nous tout, 23 avril, mardi 23 avril, à 4h dans l'après-midi, nous avons gagné formation pour les membres des groupes, des chorales. Et pour toutes fidèles, nous avons gagné formation mardi 23 avril à 4 heures dans l'église là. Thème être chrétien catholique aujourd'hui. Donc faut que nous formions tête nous pour nous capables mieux rendre compte de la foi nous, de l'espérance nous. Frère Axemio, moi je vais finir pendant que m'a rappelé nous dans quelques jours nous gain pour entrer dans mois de Marie. Et comme d'habitude, dans la paroisse là et sur Radio Télé Altagrasse, nous avons un programme spécial pour le mois de Marie. Et dans le jour qui vient, nous avons plus de détails sur le programme que nous avons gagné dans l'occasion du mois de Marie, trentaine de prières que nous avons gagné à notre maman, à la Vierge, à la bienheureuse Vierge Marie. Frère Semio, des problèmes oui, mais malgré problèmes yo que nous content parce que dans problèmes yo nous pas pour compte nous bon Dieu là des têtes chargées yo des têtes chargées des épreuves des difficultés mais malgré têtes chargées yo malgré épreuves yo nous pas abattus nous pas découragés nous pas désespérés parce que nous connaissons bon Dieu là pour l'y accompagner nous,
pour lui aider nous. Pendant que m'a dit nous gien tête chargée dans jour qui passé yo, nous enregistrer des dégâts dans une studio radio télé Altagrace qui dégâts que lié dans bâtiment qui logeait une studio yo gien parti dans faux plafond an. Pas faux plafond, dans plafond, hein. Gon parti dans plafond qui hein. Tombé. Heureusement, pas de moun dans l'espace là. Donc, pas de victime. Nous disons bon Dieu merci. Le fait que pas de moun dans l'espace là, le fait que pas de moun qui victime. Mais des gaillots, ils en pile. Et ça permet que nous garder Kaila, nous garder bâtiment. Nous, ouais, c'est un bâtiment qui était construit il y a longtemps, mais qui. Que structure liyo commençait à faiblir. Fait yo, yo commençait à pourrir. C'est une grande perte. Des gaillots en pile et ça a demandé et pour nous faire l'autre calcul, l'autre étude pour nous voir comment nous capables et construire de nouveaux studios pour la radio télé Altagrace. Ça part dans le projet nous, ça part dans le budget nous. Nous sortons dans le problème, nous pouvons même sortir dans le problème, dans le problème terrain, nous pouvons même sortir, nous pouvons même payer dette. L'autre problème vient. Problème sur problème. Heureusement, bon Dieu là, pas de problème qui pas de solution. Non, bon Dieu, non, Jésus, avec bon Dieu, tout problème a une solution. Et je ne veux pas finir. Sans moi pas dire non, frère Max Semio, quel que soit le problème que vous rencontrez dans la vie, pas découragé. Confiez le problème à bon Dieu. Et puis, devant le problème, pas croiser bras, pas arrêter indifférent. Devant le problème, il faut qu'on agisse. Et je ne veux pas finir tout, sans pas dire non, pas tourner un problème pour l'autre monde. Pas créer problème pour l'autre monde. Pas bailler l'autre monde problème, mais aider monde jouer une solution à problème yo. Merci à nous toutes. Merci à nous chaque. Bon dimanche. Bonne semaine. Kembe fem. Bon Dieu là, bon Dieu avec nous. Bon Dieu vivant. Et bonne fête à tout le monde qui a célébré anniversaire yo. Bah qu'on est si Père Anaël a fait yo avancer. Pour recevoir bénédiction, tout le monde qui a célébré, oui, Père Naël dit, nous mettons avancé pour nous capables de recevoir bénédiction, tout le monde qui a célébré anniversaire, nous. Tout le monde qui a célébré anniversaire naissance, anniversaire mariage, avancé, 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 moi avec, ou pas besoin, peu, avancé, avancé. Au aspect, d'Atmbao, bonne fête. Bonne fête à Aspey, bonne fête à Ernaud Aristide et à Yoline, bonne fête à Monsieur Madame Robin Sipolite, à Anne-Christine et Sherd ou Shid Kin, à Anne-Marie Jacques, à Aspey Jean-Baptiste, à Camille Jean-Muret, à Christina Edika Antoine, à Georges Marie Yuna, Girard Bernard François, qui c'est membre groupe Union Familiale, James Maître. James Maître, bonne fête. Joyeux anniversaire à Jean Viltus Guerrier, à Liline Jules, qui c'est membre groupe Union Familiale, à Marianne Loseille Apollon, à Marie-Claude Dette Emmanuel, à Marie-Claude Jean, à Madame Marie-Claude Jean, c'est une bonne collaboratrice tout, à Madame Charita Fabien, à Monine Droirin, à Nelly Rose Toussaint, à Sandra Morissette, à Priva Alexandra, à Sayana Joseph, Sœur Yola Norelius. Sœur Yola Norelius, c'est une religieuse paroisse là,
et compagne de Jésus, une très bonne collaboratrice. Nous disons yo là, maestro, maestro, pour cette musique là, maestro, nous disons yo là, merci pour ça lié pour nous. Merci ce yo là pour ça ouyé pour nous, pour collaboration, pour engagement. Je anniversaire à Stanley Clerville, à Sylvie François, à Yodjila, Roytila, Marvin Baptiste, à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Yo. C'est pour grâce, mon Dieu, tomber sous nous en abondance. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. À chacun de vous, je souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Merci, mon Père. Merci. Allez dans la paix du Christ. Et les affligés, dire aux malheureux qu'ils peuvent espérer. Allez crier sur la montagne. Allez crier, Christ a ressuscité. Allez crier sur la montagne. Allez crier, Christ a ressuscité.